Nous avons dit à la mairie, à l'état-major, nous n'avons plus besoin d'autorisation pour manifester le 21 octobre. Et hier, j'ai appelé la police pour les signifier également cela. Maintenant, tous les jours, les choses s'aggravent dans ce pays. Nos terres sont récupérées par des propriétaires immobiliers qui font ce qu'ils veulent. Le pays est tous les jours attaqué et personne ne veut qu'on en parle. La scolarité cette année est augmentée, personne ne dit mot. La vie est chère. Rien que hier, lorsqu'on partait pour rencontrer des gens dans un arrondissement, je ne vais pas donner le nom, on arrivait à trouver qu'il y avait du système qui distribuait de l'eau. Et un enfant de moins de 7 ans allait à Colossal, pour le finir. Ceux qui sont venus avec peur de l'homme, pour dire ce qu'elle doit finir. Et un enfant qui dit ça. Nous ne voulons pas ça dans ce pays. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est dire à tout le peuple burkinabé que nous rentrons dans une résistance totale pour notre liberté. Et le 21 octobre, c'est le plus Ouagadougou, c'est toutes les 45 provinces. Et les consignes sont claires. On ne casse pas, on ne brûle pas, on ne l'insulte pas. On va leur montrer comment on gère le pays. Si vous arrivez le 21 prouver que la part de la nation est occupée par la police ou la gendarmerie, vous vous rabattez tout ce monde-là. Maintenant, dans les arrondissements, que les gens bloquent toutes les routes. Et dès demain, nous allons rencontrer toutes les autorités. C'est-à-dire à partir de 7h, on va aller sur le Moron là-bas. Après sur le Moron, on va aller sur le Moron là-bas. Après, on va aller au CDPP. Après, on va aller au CFOR. Après, on va aller à la Coder. Ensuite, on va aller sur les protestants, sur les musulmans, sur les cardinals, sur les amateurs de l'Europe, pour leur dire que le pays est mal géré. Le message est clair. Notre liberté ne peut pas être confisquée par deux personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais prendre tout le monde dans la rue. Ceux qui estiment que ça va sur lui, qui reste à la maison. Je voudrais aussi ajouter voilà, les informations qui nous parviennent. Soit ils vont les prendre ce soir ou demain, mais avant tout, ils vont venir perquisitionner la maison. De toute façon, c'est bien que vous voulez. S'ils viennent, ils ne trouvent que les photos et votre, en a que deux. Voilà. Maintenant, c'est là qu'ils viennent là où j'ai des amis qui ne sont pas des politiciens qui m'appuient. Maintenant, ce qu'ils sont en train de chercher, je pense qu'il n'y a rien. Ce que nous voulons, nous allons défendre les valeurs. Et le 21, nous allons sortir pour les dire, rechanger un peu votre manière de gérer le pays. Nous ne voulons plus d'esprit dans ce pays. Tout le monde au même pied d'égalité. Je vais vous dire la vérité. C'est si mon comporé, Monsieur Abdoulaye, qui veut tenir tête devant moi, mais qui vont voir le rien. Et comme ils étaient en train de dire, ils s'annulent. Demain matin, je vous le dis et je vous le répète, on va aller rencontrer les gens pour leur dire ce qu'il y a. Maintenant, le 21, on va sortir pour dire, ça ne va pas. Maintenant, quant à la question organisationnelle, comment est-ce organisé, même notre comité d'organisation, ils ont tenté de payer ça à 1 million. Ils n'ont pas trouvé. Les listes de présence contient les réunions. Ils ont tenté de chercher la liste de présence. Pour preuve, il y a un qui devait être une prison. Depuis matin, il n'est pas encore arrivé. Je l'ai dit hier, nous sommes à 7h. Depuis le matin, il n'est pas encore arrivé. Mais je lui ai donné des consignes. Pourquoi il n'est pas respecté ces consignes? Donc, sur l'ensemble du territoire, nous avons des organisations à tous les niveaux. Et depuis avant-hier, les gens m'appellent de toutes les 46 provinces. On sait comment le 21 sortait.